Eh bien, salut les amis, c'est Manalbarbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Odyssey avec la quête des petits ostracons Aening. Donc là, nous sommes sur l'île du départ, comme ça au moins on va faire île par île. Donc là, nous sommes sur l'île de Kefalonia. Et donc le premier ostracon, il se trouve ici. Alors, on va tout de suite mettre la main pour que vous puissiez un petit peu repérer. Voilà, donc la première, hop là, j'étais trop loin. Donc voilà, le premier ostracon se trouve au niveau du vignoble. Donc là du coup j'y suis, il suffit simplement d'aller à l'étage, encore ici, et là regardez, vous l'avez juste là, il est caché. Lorsque les choses vont mal, on est tenté de se tenir des dieux au temple incendié du village de Kossos dans la vallée de Pali. Je suis dans un tas de cendres fumantes, là où un dévot a quitté son poste pour entamer une vie de pirate. Donc ce petit endroit est relativement simple à trouver, puisque du coup il vous suffit simplement de descendre un petit peu au niveau de la map et il va se trouver donc ici. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est d'y aller directement. Voilà, comme ça il y a le petit point. Alors, du coup j'ai pas pu mettre le point parce que j'étais dans le menu quête, c'est chiant qu'on revienne à chaque fois. Voilà, donc j'ai déjà un petit peu déjà visité tous les lieux. Mais je voulais, avant de tout récupérer, je voulais vraiment le faire avec vous, comme ça au moins. Bah, ça, je pense, permet de pouvoir vous aider pas mal. J'en profite, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui fait toujours plaisir. Attendez, je vais appeler mon petit canasson quand même, vite. Allez, c'est parti, let's go, on est à 200 mètres. Ouais, c'est bon, il va pouvoir sauter là, normalement, sans mourir. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Il n'est pas mort, notre cheval. Donc, une fois qu'on est ici, il faut chercher tout simplement le temple. Alors, le temple, le voici, le voilà. Donc, c'est parti. Il suffit donc d'aller ici. Et là, regardez, vous avez un tas de cendres. Et là, donc, vous le récupérez. Donc là, ça permet de récupérer une nouvelle gravure, plus 3% d'adrénaline par coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons, donc là du coup, on a récupéré un nouvel item. Ensuite, vous en avez un deuxième. Alors, celui-ci, je l'ai déjà récupéré. Je vais simplement vous montrer où est-ce qu'on le récupère. Donc là, on va dans la petite pochette. On prend, donc c'est celui-ci, on va faire. Donc maintenant, le lac sans fond. Je vais vous remontrer exactement à quel endroit vous pouvez le récupérer. Donc c'est parti. Je vous montre tout de suite la map. Donc là, pour ces systèmes là je vais faire, enfin je pense que c'est un petit peu mieux, je vais faire les trois quêtes en même temps, c'est quand même plus simple, ça évite de faire 15 000 vidéos. C'est celle-ci. Donc là on y va, let's go. En fait je sais même pas si j'ai trop besoin d'y aller. En fait, simplement vous avez une grotte et dans cette, bon, on va y aller, de toute façon c'est pas très loin, 400 mètres. Ça se fait rapidement, surtout le canasson. Bon, je pense qu'il y avait... Mais là, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me taper. Allez, vas-y, commande bébé, commande. Donc là, c'est la grotte de Mélissani. Mélissani, c'est ça. Et en fait, il suffira simplement de plonger. Et là, vous allez pouvoir récupérer donc votre précieux document à énigme secret. Ok. Ok, c'est bon, ça passe. Et là, voilà. Allez, on y est presque. Bon là du coup malheureusement on va pas pouvoir voir exactement à quel endroit je le prends. Mais il est au fond. Voilà, donc là on est ici. Et là il vous suffit de plonger, d'aller au fin fond. Et en fait au fin fond vous avez pas mal de petites choses à récupérer, et là en fait vous allez simplement trouver donc le lac sans, enfin la quête du lac sans fond. Donc là on va remonter, on va récupérer notre cheval et je vais ensuite vous montrer donc où se trouve le lac sans fond. C'est vraiment un lac effectivement qui est sans fond. J'ai failli y aller et puis au dernier moment je me suis dit non, on va pas le faire maintenant. Par contre là on va montrer directement en vidéo, ça sera quand même plus simple. Puis ça vous permettra de vous aider, de vous orienter pour trouver la destination. Alors mon canasson, il est kebo de l'autre côté. Ok, il m'attend bien sagement. Super.
Donc là, hop, pour le trouver, on repart tout de suite sur la carte. Alors j'y étais juste avant. Donc là, pour le retrouver, vous avez le lac qui se trouve juste là. Donc là, on est sur la côte Kolyadi. Donc là, vous avez un grand lac, vous pouvez pas le louper honnêtement. Et c'est bon, je suis dans la bonne direction. On va pas mourir. Oh là là, je suis bourré. Alors attendez, hop. Voilà, c'est bon. Allez, dépêchez-vous. On n'a pas le time. Donc là, je l'ai pas encore récupéré celui-ci. Donc là, on y va. Hop là. On peut aller un petit peu plus vite là, ça serait cool quand même. Il se traîne un petit peu là, notre personnage. Hein. Allez. Voilà, que c'est un petit peu mieux là quand même. Voilà, voilà, vous avez votre lac. Donc, du coup, quand j'ai utilisé mon aile à portée, en fait, il m'a amené différents codes. Donc là, on va tout de suite aller récupérer ce qu'il y a dans le fond et réaliser donc la quête. Alors. Donc là, vous voyez. Hop. Donc là, nous avons récupéré les petites thunes. Le coffre ici. Ok. Donc là, les jambières. Alors, attendez que je retrouve l'endroit de... Normalement, il était un petit peu plus profond. Alors, j'en profite juste pour récupérer les coffres. Comme ça, moi, c'est fait. Ouh, ça, ça fait plaisir. Alors, on va reprendre un petit peu de santé. Et on... J'aurais dû attendre un petit peu. Bon, c'est pas grave. Allez, allez, allez. Il faut vraiment aller dans les profondeurs. Là. Il fait quasiment tout noir. Et là, regardez tout ce qu'il y a. Et un nouveau coffre avec une clé perdue. Je sais pas à quoi va nous servir cette petite clé là. Ensuite, nous avons un autre coffre qui est là. Est-ce que je vais réussir à le trouver, le petit truc là? Non, il est dans le fond. Ok, là c'est la pelle. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, commande, commande, commande. Ok. Bon, on va reprendre quand même la... Allez, c'est reparti. Donc là, il faut prolonger vraiment tout. Allez, vas-y, 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 vas-y. Qu'on arrive à récupérer ce truc-là, là, parce que du coup... Allez, come on. Elles sont pas forcément évidentes à trouver. Au premier abord, c'est un petit peu caché. Normalement, il était par là, le truc-là. Ta-da-da. J'espère que vous l'avez trouvé un petit peu plus vite que moi. Là, je vous avoue, je galère un petit peu. Là, normalement, quand je l'avais vu la première fois, j'étais passé, j'avais vu les... Ah, normalement, il était un petit peu plus haut. Le voilà. Le voilà, c'est simplement la statue qui est là. On l'a enfin récupérée. Donc ouais, c'est la petite statuette qu'il fallait récupérer. Donc vous avez une statuette à récupérer au fond. Il était moins une. Il était moins une. Et enfin, nous avons la dernière mission. C'est celle qui va être un petit peu plus relou puisque du coup, elle est pas à côté. Donc on est parti, désolé d'avoir mis un petit peu de temps. Allez. Allez, viens la canasson. On se met en route. Allez, en route. Alors non, en route avant, on va quand même mettre la map pour que vous puissiez voir exactement
où est-ce qu'il faut aller. Donc là, on doit aller de l'autre côté. On va au palais d'Ulysse. Donc là, on va d'abord récupérer un... le bateau qui est là. Allez là. Voilà, super. Allez, vas-y, mon ami. Fonce. Donc là, si vous suivez, normalement, il est assez simple, vous allez voir. Il est posé. Je vais plus loin, je vais chavirer. À l'étage. Ok, j'ai pété le bateau. C'est pas grave. Donc là, du coup, il vous le propose. Alors là, j'avais validé les autres choses. Et du coup, il manquait l'ostracon que j'ai préféré attendre pour le faire en vidéo. Donc là, on va monter. Alors. Ouais, les quêtes, on va les faire plus tard. Il avait quoi sur lui? Alors, si ma mémoire est bonne, attendez que je le repère, le bordel. Ah non, mais il était de ce côté là. Ah, le voilà, il est caché là-haut. Hop là, c'est bon, nickel. Donc là, on n'a plus qu'à escalader la petite falaise. En espérant qu'il puisse... Ouais, c'est bon, il va pouvoir passer là. Et ensuite, vous allez voir, pour le récupérer, c'est encore un petit peu plus simple. Hop. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. On va pas tomber. Ah, c'était le dernier endroit où j'avais besoin d'aller. Et donc là, nous avons récupéré... L'attirance fatale. Si tu empruntes le chemin vers le nord sur les traces d'Ulysse, tu trouveras un petit élevage de chèvres où il y a rencontré Athéna avec un déguisement. Elle l'a aidé à reprendre son épouse et à tuer les prétendants. Tu trouveras ta récompense sur un cadavre de chèvre. Allez, on met la map. Tout de suite, donc là, il suffit d'aller un petit peu par là. Voilà. Ok. Tac, je suis dans quelle direction là? Il y avait un coffre normalement à récupérer là. Ah bon, tant pis, j'irai le récupérer en off. Comme ça, au moins fini ces trois premiers ostracons qu'on peut récupérer dans le jeu. Phobos en disponible. Ok, super. Une nouvelle grotte. Alors là, je n'ai pas encore exploré toute cette petite partie. Putain, il veut pas venir le bordel. Ah, celui-là. Ah bon, enfin. Il faut bosser, commande. Super. Ça doit gagner un petit peu de temps. Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. C'est vrai que j'ai perdu un peu de temps avec le... Avec le lac sans fond. Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, salut, 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 salut. Alors, on fait un petit tour du propriétaire. Et donc là, il faut simplement... Putain, on part de là. Ça c'est fait. Voilà. Allez, salut toi. Alors, on retourne à notre village. Donc là, nous sommes... Excusez-moi, excusez-moi, je fais que passer. Je suis désolé. Et la biquette, du coup, elle est posée juste là. Là, voilà, elle est morte. Et donc là, on n'a plus qu'à la récupérer. Nouvelle gravure, plus 2% d'épée et de dague. Donc là, on va tout de suite regarder un petit peu les choses qu'on a récupérées. Voilà, la liste des gravures. Bon, là, il faut attendre encore un petit peu pour pouvoir se dégraver. Malheureusement, c'est pas...
pas encore le cas, on n'est pas prêt de le faire tout de suite, même les autres trucs, quoi. Tout est au niveau 12, 13, 16, tu es 10, 10 mecs. Voilà, en attendant, vous savez où se trouvent les trois premiers ostracons. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis.